Ça commence vers les 5-6 heures du matin, j'entends des hurlements à la maison. Toute la rue, c'était plein d'autobus. Et on est parti et on est arrivé dans le camp de Drancy. Nous avions la garde extérieure du camp. Et la nuit, plusieurs fois, on entendait des gens qui se jetaient des balcons pour se suicider. J'ai 54 personnes qui sont parties en filmer. 54. En effet. Est-ce qu'on se remet ? Jamais. I always imagined Drancy to be a distant, surreal place that probably would have been destroyed by now. But Drancy is a town, only a few kilometers away from Paris. And the old internment camp still exists. Vous connaissez un peu l'histoire de ce bâtiment où vous habitez? Oui, quand même un petit peu, quand même. Nous, on a l'impression de faire partie de ces murs et de faire partie de cette histoire. On a retrouvé dans la cave la prison du camp de Drancy. J'habite si près de Drancy et c'est la première fois que je reviens ici. C'est terrible. Chaque pierre a une histoire ici.